some? Même la végétation, elle est magnifique. J'ai jamais... Alors, je suis choquée qu'une raie soit aussi grosse. Bon, du coup, nous sommes actuellement à notre jour 3 de vacances. J'ai déjà le seum parce que j'ai l'impression que je vais rentrer demain. Vu comment la vitesse des jours passe, vu comment tout passe, tous les jours, j'ai des activités différentes. Chaque jour, je sais pas ce que je fais. Donc, parce que Isaac me fait des surprises et que genre tout est déjà organisé, mais que moi, du coup, bah, je suis pas au courant. Comme déjà, j'étais même pas au courant que je venais aux Maldives. Donc voilà, tout est un cadeau.
Mon anniversaire, il dure hyper longtemps, mais j'ai envie qu'il continue de durer longtemps. Après, je suis genre un peu stressée parce que j'ai envie de rentrer en France aussi, parce que avec tout ce qui se passe, ben, je me dis que même si je suis mieux ici qu'en France par rapport à tout ce qui se passe, c'est quand même mon pays et que je préfère être dans mon pays. Je me sens plus rassurée dans mon pays, c'est normal, je pense comme n'importe qui. Donc du coup, voilà. Mais voilà, les jours passent très vite, je suis trop deg, je crame. Donc là, j'ai pris un coup de soleil ici, j'ai pris un coup de soleil ici et là sur le côté, juste. Bon, ça va, franchement, j'ai pas trop cramé, mais pourtant, je me suis protégée à la 50 et je suis quand même cramée. Donc ma sœur et Laurent, ils m'ont dit, ouais, tu vas cramer là-bas et tout, prendre de la protection. Donc moi, je suis venue, j'ai mis de la 50 et tout. Sauf qu'en fait, j'ai mis de la 50 partout sur mon torse, là. Enfin, genre, voilà, sur là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est le torse, quoi. Mais j'ai pas mis dans mon cou, sur mes épaules. J'ai mis sur mes épaules ici, mais j'ai pas mis là. Et j'ai pas mis sur les côtés ici, parce que, genre, d'habitude, quand tu te couvre et tout à la protection, tu penses pas à te couvrir non plus les épaules, le dos, enfin le dos oui, mais genre tu penses pas le bas du dos à cet endroit précis et tout. Et là, n'importe où tu mets pas de la crème, tu crames. Donc du coup voilà, même ma mère qui est déjà mat de peau de base, elle a mis de la 30, elle a brûlé. Donc du coup voilà, même Isaac qui de base est très 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 mat de peau a pris des coups de soleil énormes dans le dos. Donc genre vraiment, c'est le soleil ici, il est très puissant. Mais après, ça fait du bien parce que du coup, il fait chaud, parce que ben, on est bien, on bronze, on profite du soleil et tout. Mais bon, voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que je compte faire plein de snaps et tout pour essayer de vous divertir au maximum. Parce que comme j'ai dit à mes copines, je sais que c'est chiant de rester longtemps chez soi, etc. Mais nous, quand on va rentrer, on va faire pareil. On va devoir rester à la maison et on va le faire. À part pour faire les courses, bien évidemment, ou des trucs pour la santé. Mais voilà, il faut le faire, donc pensez, je sais pas, pensez à faire des choses que vous faites pas d'habitude, du gros tri chez vous, faire des masques du visage, faire des nouvelles recettes à manger, lisez, je sais pas, regardez des films, regardez des séries. Je sais que voilà, bon, les séries, on les a un peu déjà toutes vues, mais voilà, essayez de passer votre temps comme vous pouvez. Je sais que c'est chiant et que voilà, mais c'est pour le bien de tous, donc... Voilà, en tout cas, nous, quand on va rentrer, je vais vous montrer tout ce que je vais faire aussi quand je vais rentrer. Je vais vous montrer quand je glande, je vais vous montrer quand je regarde des films, je vais vous montrer quand je fais des masques, quand je fais des soins, etc. Et au moins, ça fera passer le temps à tout le monde. Il y a plein de dauphins! Je suis choquée! Coucou tout le monde! Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, je sais que le confinement c'est dur, mais bon, le plus important c'est que vous soyez en bonne santé, donc j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous fais un petit snap là aujourd'hui pour vous parler de mes tournées, parce que je vous ai dit que j'allais vous en parler là dans les prochains jours, et c'est aujourd'hui que je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Donc au début, on avait décidé de pas annuler parce qu'on s'est dit, ben pour l'instant en France ça va, etc. Puis finalement, ben voilà, ça s'empire. On sait pas comment ça sera en mai, donc on a décidé de reporter les dates plutôt qu'elles soient annulées. Vaut mieux que on les reporte et qu'on ait de la place cette année plutôt que ce soir on annule pas et qu'il y ait plus de place dans les zéniths, etc. Donc c'est pourquoi on a décidé de reporter. Elle sera reportée entre octobre et novembre, voilà. Et je vais vous mettre de toute façon toutes les nouvelles dates, etc. J'espère en tout cas que vous allez pas trop déçus. Je sais que c'est chiant d'attendre plus longtemps, même moi je suis dégoûtée, mais bon, c'est pour le bien de tous. Donc comme j'étais en train de vous dire, c'est pour le bien de tous. Maintenant, je pouvais pas arriver avec une mauvaise nouvelle comme ça. Bon, c'est une mauvaise nouvelle, mais en vrai, c'était attendu et on le savait. Mais du coup, sans une bonne nouvelle, donc on a décidé, enfin on n'a pas décidé, c'est que j'ai un bon truc à vous annoncer, c'est que d'autres dates sont prévues. Beaucoup de dates sont prévues en plus dans la France, aux mêmes périodes à peu près. Je vais vous les annoncer vers le 25 mars, je crois, un truc comme ça. Donc dans pas longtemps là, non, le 27, on est le combien là? Oui, c'est dans une semaine, je crois que c'est le 25 ou le 27 que je devrais vous annoncer les dates. Donc il y en a plein,
est vraiment hyper répartie dans la France. Il y a des endroits aussi où les zéniths sont complets. Du coup, j'en fais un deuxième dans la même ville, etc. Donc, je suis grave contente. Je vous communiquerai tout ça bientôt. Et au moins, bah, je vais pouvoir venir voir tout le monde, j'espère. Mais j'adore. C'est de base là qui est jaune normalement. Curry. Ouais, curry, mais c'est du curry violent, très violent. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de snaps parce qu'en fait, j'ai pas fait énormément de choses incroyables. J'ai juste été à la piscine et tout. Mais en fait, je vais vous raconter juste un truc de ma journée parce que je suis une casseuse. En fait, on se réveille tranquille, je prends mon petit déj, je rentre à ma villa et tout sur pilotis. Il fait pas beau, il fait gris gris. Donc moi, je me baigne dans l'eau, nanana et tout. Et je dis à Isaac, vas-y, viens, on va à la piscine, à la grande... Enfin, c'est lui, il me dit, viens, on va à la grande piscine et tout, de l'hôtel et tout. C'est une grande piscine trop belle et tout, genre pour manger. On mange là-bas. Donc ok, on y va, tout ça. Je passe mon après-midi. Et je me dis, j'ai pas besoin de protection, il fait gris. Donc s'il fait gris en France, s'il fait gris, les rayons, ils passent un peu à travers. Mais c'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, tu vas pas cramer. Mais non. Le seul jour où je mets pas de la crème de partout sur mon visage, j'ai cramé, alors qu'il fait même pas beau. J'ai cramé, je suis rouge, j'ai trop mal à mes bras, j'ai trop mal là. Du coup voilà, j'ai cramé, je sais pas si je vais me mettre beaucoup au soleil les derniers jours qui me restent. Mais bon, voilà quoi, du coup juste ma petite anecdote de la journée. Aux Maldives, même si il fait pas beau, tu crames. Mais tu crames, c'est pas crame avec un petit C, c'est un grand C majuscule. C'est la première fois de ma vie que je bronze, enfin je brûle.